Thank you.
à croire encore une fois cette confusion entre ce qui est en Israël et ce qui est dans les territoires palestiniens occupés. ومن هنا نتأكد بأن المشكلة ليست فقط جدار بل هو ارتباط وثيق بين الجدار والاستيطان. Et ce que j'ai voulu vous montrer à travers cet exemple, c'est la relation intime entre la construction du mur et l'expansion des colonies. وأن هذا الجدار جاء ليغطي ويحمي سلكة الأراضي والاستيلاء عليها لبناء وتوسيع المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة. Et derrière le mur, c'est le vol de terre, leur expropriation, l'extension des colonies. بحيث يقسم الضفة الغربية لأجزاء متناثرة يصعب في المستقبل إقامة أي تواصل جغرافي بينها يقضي على أي احتمالية لإقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف. Ce qui à terme va produire une Cisjordanie fragmentée, coupée en morceaux disjoints et interdire la perspective d'un État palestinien viable et continu. وكما تعلمون بأن هذه الأراضي أيضاً كما هي لباقي الكرة الفلسطينية هي مصدر رزق للكثير من أهالي القرية. Et comme vous le savez aussi, ce mur et cette extension des colonies empêchent les habitants d'avoir accès à leurs terres et de vivre de leurs terres. بحيث يوجد في هذه المنطقة أكثر من 10,000 شجرة زيتون سيتم ابتلاعها وبناء المستوطنات عليها. Et sur ces terres annexées par le mur, ce sont 10,000 oliviers qui ont été arrachés sur notre seul village. كما وأن هذا الجدار وهذه المستوطنات تحرمنا من إمكانية التوسع العمراني. Et la construction du mur et des colonies empêche aussi nos maisons d'être construites et nos villages de s'agrandir. بحيث أن قريتنا الآن تعاني من نوع من أنواع التهجير ولكنه تهجير غير مرئي بحيث أننا نجبر حاليا على البناء في الجهة الشرقية من القرية وليس في الجهة الغربية أي بمعنى أننا أي تم نقل قريتنا باتجاه الشرق. Ce qui implique en fait un exode, une expulsion indirecte de notre village, car ne pouvant plus construire sur les terres annexées par le mur, nous sommes obligés de construire de l'autre côté, plus loin. والمشكلة لا تتوقف عند الجدار المبني بل هناك أيضا جدار غير مرئي بحيث يمنع على الفلسطينيين البناء والتقدم 200 متر من هذا الجدار البناء والتوسع. Et la partie annexée par le mur, elle s'étend aussi au-delà du mur, car des zones sont créées entre le mur et nos villages, des zones tampons de 200 mètres dans lesquelles il est interdit de construire. Et pour cette raison, ou les raisons autres que ça, qui touchent à notre vie quotidienne, parce que notre futur est menacé. Et pour l'ensemble de ces raisons, notre vie quotidienne dans notre propre village est menacée. ومنذ حوالي 9 أشهر قررنا أن نرفع صوتنا ونصرخ عاليا مطالبين مد يد العون والمساعدة لنا. C'est ce pourquoi aussi, il y a de cela 9 mois, nous avons décidé dans notre village de faire entendre nos voix, de faire entendre notre cri et notre revendication pour que vous puissiez apporter votre soutien. فتبعنا طريق النضال الشعبي المبني على الطابع السلمي غير العنيف اقتداء بمن سبقونا من القرى الفلسطينية مثل بدرس وبدو ومسحة. Et nous avons donc choisi comme voie pour cette résistance une lutte qui serait populaire, pacifique et non violente, à l'exemple d'autres villages palestiniens comme بدرس, مسحة et d'autres. فعززنا المشاركة الإسرائيلية والدولية إلى جانبنا. Et nous avons donc appelé à la participation d'Israéliens et d'internationaux à nos côtés. Et nous avons donc construit une façon de résister qui s'articulait sur ces trois éléments, sur ce triangle palestinien, israélien et internationaux, en nous appuyant sur le fait aussi qu'il s'agit d'un devoir pour les internationaux et pour les Israéliens de faire face à nos côtés contre le mur et l'occupation. حيث لا نعتبر الإسرائيليين والدوليين المشاركين معنا متضامنين المشاركة بفعليا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. Et nous voyons donc ces participants à nos mobilisations pas seulement comme des personnes qui seraient solidaires de façon lointaine, mais comme des partenaires
à 100% dans notre mobilisation. Nous voyons ces gens comme des partenaires parce que c'est leur devoir aussi de faire respecter par Israël les conventions internationales et les résolutions. لذلك واجب عليكم التحرك للضغط على إسرائيل لاحترام القرارات الدولية وتطبيقها. Nous considérons que vous avez un rôle, une responsabilité, un devoir dans le, la pression sur Israël pour qu'Israël cesse sa politique. بالرغم من عدم نجاحنا حتى الآن في تغيير مسار الجدار ولو حتى متر واحد إلى الخلف في قريتنا. Et si jusqu'à aujourd'hui avec notre résistance nous n'avons pas réussi à repousser le mur ne serait-ce que d'un mètre. إلا أننا نجحنا نوعا ما في توصيل رسالتنا السياسية وزرع بذور هذا النوع من النضال المشترك فأصبحنا مثال يراهن عليه الكثير. Eh bien, au moins nous avons réussi à faire parvenir au monde notre message, à faire participer les gens à notre lutte et à lui donner une dimension exemplaire qui puisse planter les graines de future mobilisation. وللحديث عن هذا النوع من النضال أكثر والذي لا أفضل أن نسميه بالنضال الجديد لأنه موجود منذ الانتفاضة الأولى أو حتى ما قبلها. Et on a beaucoup fait parler de notre résistance commune à Belrine, mais il faut quand même se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une résistance nouvelle, mais qu'elle date déjà de la première intifada et même sans doute d'avant. فنحن لم نخترعه ولكن اخترعنا طرقا لتطويره وإظهاره بأكثر فعالية وتأثير. Et ce que nous avons fait de spécial à Belrine, ce n'est pas que nous avons créé ce type de résistance, mais que nous l'avons développé, que nous avons accru son efficacité. Cette mobilisation qui repose sur ces trois piliers de la non-violence, de la résistance pacifique et populaire. Cette résistance montre que nous ne nous battons pas contre des personnes ou contre des peuples en particulier. Mais nous nous battons contre l'occupation, ce qui représente l'occupation et ce que représente l'occupation. كل ما يمثل احتلال من جدران واستيطان وقرارات ذل وحواجز وما إلى غيرها من أمور. L'occupation est tout ce qui en découle avec les checkpoints, les couvre-feux, les bouclages, les humiliations. هذه الأمور التي لا يستطيع أن يحس بها إلا من يعيش تحت الاحتلال. Et nous sommes donc déterminés à ne pas accepter la vie sous l'occupation. ربما يعتقد البعض بأن هذا النوع من النضال أسهل وأمن. Et certains pourraient croire que notre résistance non-violente serait plus facile à mener. Mais il s'agit en fait d'une résistance beaucoup plus dure, beaucoup plus dangereuse aussi, car il s'agit déjà de faire face et de contenir nos propres émotions. فإننا هنا في هذا النضال كما شاهدتم في الفيلم نقف مقيدين أيدي أو مربوطون إلى شجرة زيتون أو مثبتين داخل أسطوانة أو برميل أو حتى مستلقين تحت جنازير جرافة إسرائيلية. Mais en fait, nous nous opposons avec courage, symboliquement attachés à des oliviers, assis dans des barils ou nous couchant sous les chenilles des bulldozers israéliens. وفي المقابل يقف ضدنا جندي مدجج بجميع أنواع الأسلحة المعروف منها وغير المعروف والتي استخدم أنواع جديدة منها ضدنا في بلعين أول مرة. En sachant qu'en face de nous se trouvent des soldats surarmés avec des équipements connus et inconnus. هذا الجندي ملقن بأوامر لكمعنا ونحن في نفس الوقت لا نملك أبسط أنواع الدفاع عن النفس حتى لا نستطيع لأن أيدينا مقيدة أن ندافع ونضع أيدينا فوق des armes qui ont été expérimentées pour la première fois à Belrine par des soldats qui répondent mécaniquement à leurs ordres, tandis que nous, en face, nous n'avons pas les éléments les plus primaires de l'autodéfense comme pouvoir nous. ولكن مقابل سلمية فعالياتنا فإن العالم أجمع والصحافة سوف ترى عنف وقمع الاحتلال لنا. Mais en même temps, cette résistance non-violente nous a permis de façon distincte, très claire, la réalité de la violence des soldats.
حيث أصيب حتى الآن أكثر من 400 متظاهر، عدد منهم من 400 أصيب لأكثر من مرة. Et il y a aujourd'hui plus de 400 manifestants qui ont été blessés lors de ces manifestations. Et dont certains plusieurs fois même. Et tous les moyens ont été utilisés pour tenter de briser notre résistance. Des bombes lacrymogènes, sonores, et toutes sortes de moyens, du sel, du poivre, etc. On a été massivement emprisonnés. Il y a plus de 20 personnes de notre village qui sont aujourd'hui derrière les barreaux israéliens. Et se sont intensifiés les couvre-feux, les bouclages et les intimidations contre notre village. Malgré ces intimidations, ce dont je peux vous assurer, c'est que notre détermination restera sans faille. Car nous considérons qu'il s'agit de notre devoir. De résister et qu'il s'agit de notre devoir aussi parce que notre mobilisation a une valeur exemplaire. Parce que nous considérons aussi que cette mobilisation est susceptible de s'étendre à d'autres villages et à d'autres régions. Et la réussite de cette mobilisation est intimement liée à la mobilisation de chacun d'entre vous. فنحن لا نريد منكم فقط أن تكونوا مجرد متضامنين. Donc ce que nous vous demandons, ce n'est pas seulement d'être solidaires. بل تأخذوا دوركم وأن تكونوا شركاء معنا. Mais de vous saisir pleinement de votre responsabilité et de participer avec nous à ces mobilisations. فمن يستطيع منكم القدوم إلى فلسطين والمشاركة معنا والتوثيق والتصوير ونقل ما يجري حتى يستطيع العالم أن يرى الحقيقة. Et ce que nous vous demandons donc, c'est de venir à nos côtés pour voir la réalité, vivre la réalité, et aussi la filmer, la faire connaître à l'ensemble du monde. Afin que vous puissiez vous-même être les messagers, les porteurs de cette réalité qu'il s'agit de faire connaître à vos entourages, à vos familles, à tous. الذي لا نطلب فيه أكثر من تطبيق القرارات الدولية. Et de faire savoir que ce que nous demandons tout simplement c'est l'application des résolutions internationales. وتحقيق حقوقنا كشعب فلسطيني في العيش بحرية وكرامة مثل باقي شعوب العالم. Et l'application de nos droits, les droits du peuple palestinien comme les droits de tous les autres peuples dans le monde. دون إذلال وجدران ومستوطنات واحتلال. Des droits réalisés sans colonie, sans occupation, sans humiliation. Et aidez-nous donc à mettre fin à l'occupation et pas seulement à en alléger les conséquences. Il s'agit donc d'obliger Israël à respecter les résolutions internationales. أملنا في بلعين من أن من يستطيع منكم القدوم للمشاركة معنا في نضالنا فأهلا وسهلا بكم في قريتكم بلعين وشكرا. Et je me permets donc au nom de Bel'in de vous inviter à participer avec nous et je vous souhaite donc la bienvenue prochaine à Bel'in en Palestine.